Bonsoir. Un œil sur l'actualité de ce jour va essentiellement se pencher sur le nouveau Premier ministre et le gouvernement qui s'annonce pour les prochains jours. Vous savez que depuis vendredi surpassé, les Togolais connaissent le nom de leur Premier ministre, comme Issélom Klassou, qui a été nommé par décret présidentiel. Il a pris fonction le mercredi dernier, remplaçant Artem Kossi Seliagoji à Omezounou à ce poste. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Quels vont être les chantiers qui vont se présenter à lui? Nous allons analyser tout cela dans cette première partie d'émission avec notre invité, un habitué de cette émission, André Kanyi Afanou, qui est directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. André Afanou, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir Samuel, merci de m'avoir invité, merci de me donner l'occasion d'échanger d'abord avec vous et puis avec nos compatriotes. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons parler d'une conférence qui va être organisée à Paris en décembre prochain, c'est la conférence de Paris sur le climat. Nous aurons le temps d'évoquer cela dans la seconde partie avec deux autres invités qui vont me rejoindre après pour comprendre ce dont il va s'agir. Alors André Afanou, j'ai planté le décor, on va parler dans cette émission des premiers ministres, hein, à Omezounou, qui est parti, comme Klassou est venu. Est-ce que pour vous, André Afanou, acteur de la société civile, observateur de la vie sociopolitique de notre pays, ça a été une surprise de voir que Faure Gnassingbé est allé prendre comme Klassou comme premier ministre? Bon, c'est un avis très personnel que je donne. Moi, j'étais un peu surpris parce que il y avait un certain nombre d'hypothèses qui se présentaient par rapport au contexte de notre pays. Les gens estimaient que, comme d'habitude, le chef de l'État ferait un clin d'œil à l'opposition et prendrait quelqu'un qui ne serait pas forcément de ce qu'on appelle le sérail. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai, il y avait toutes les raisons de penser que le Premier ministre Omezounou allait partir. Mais certains pensaient que, ou bien, dans le meilleur des cas, je dirais, dans le cadre d'une entente avec l'opposition incarnée par le cadre 2015, où la NCI aurait quelqu'un de la NCI. D'autres pensaient que ces partis politiques qui sont de l'opposition mais qui ne sont pas aussi radicaux à l'endroit du pouvoir, je veux parler du CAS, je veux parler de la CPP et Obu. Et il faut dire que parlant de Obu, le nom du Premier ministre Agbeyome avait été évoqué avec beaucoup d'insistance. Hein, et de sorte que les gens, et je pense que c'est le nom qui était le plus donné, mais au final, c'est le Premier ministre Klassou qui a été désigné. Certains interprètent cela comme une façon pour le chef de l'État effectivement de revenir, je dirais, à l'appareil, à la machine qui, depuis 2005, l'a encadré, lui a permis de gouverner le pays et de se donner effectivement pleinement les moyens de s'entendre avec la personne du Premier ministre. Certains estiment aussi que quand vous voyez un peu le positionnement d'un certain nombre de personnalités, de par le passé et même aujourd'hui, le Premier ministre Klassou paraîtrait comme l'incarnation du fait que le chef de l'État serait en train de revenir au RPT. C'est vrai, la dénomination UNIR a changé entre-temps, mais quand vous imaginez qu'à l'Assemblée nationale, il y a le président Dramani, qui en fait est un ancien du RPT, et que vous voyez le Premier ministre Klassou, qui est un ancien du RPT aussi, donc vous vous demandez si ce ne sont pas ceux qu'on appelle les barons qui sont en train de revenir en force. Parce qu'autour du chef de l'État, de 2005 à 2015, il y a eu justement ces aînés, ces barons, qui avec leur expérience ont permis quand même au chef de l'État de conserver le pouvoir et de l'exercer comme il est en train de le faire. Mais il y a un certain nombre de jeunes dont je ne vais pas forcément donner le nom ici pour ne pas leur créer des problèmes auprès de leurs aînés, auprès des barons. Mais il y a un certain nombre de jeunes, effectivement, qui se sont illustrés, de nouvelles personnes qui, de par leur façon de raisonner, de par leur façon de travailler et de par leur façon de concevoir la relation avec ceux qui ne sont pas dans leur camp, paraissaient plus ouverts. Donc, il était légitime aussi d'espérer qu'une personnalité de ce acabit-là puisse venir. Mais en tout état de cause, le Premier ministre Klassou l'a dit clairement, nous sommes dans un régime qui ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre
au poste de Premier ministre. Et donc, au fond... On va revenir à cela, mais vous évoquez là tout à l'heure certains jeunes de UNIR, en fait, qui n'étaient pas dans le RPT. Est-ce que vous pensez que, puisqu'à un moment donné, on a vu Fornia Simbé qui a essayé de mettre sur pied sa propre formation politique avec d'autres personnalités, est-ce qu'il a été déçu, hein, selon vous, par ces gens-là, pour pouvoir revenir aux gens de l'ancien système? Non, moi, je ne peux pas me mettre dans la peau du chef de l'État. Je n'ai pas eu jusque-là la chance de le rencontrer dans un quelconque cadre. Donc, je ne connais pas personnellement la personnalité. Mais ce que je peux dire, c'est que ça ne doit pas être facile pour quelqu'un qui a l'héritage du président Yadema, paix à son âme, qui, dans cet héritage-là, a autour de lui un certain nombre de personnalités qui ont du charisme, qui connaissent peut-être des choses en lien avec la gestion du pays que le président Fornia Simbé ne peut ne pas maîtriser. Moi, je me souviens d'une scène où, alors qu'il était député à l'Assemblée nationale, moi j'avais la chaîne des journalistes dans le temps à l'Assemblée nationale, il y avait une décision qui devait être prise. Le président Natchaba était le président de l'Assemblée nationale et j'avais vu dans le temps le député d'alors, Fornia Simbé, converser avec le président Natchaba à l'époque et vous sentez clairement que le député Fornia Simbé à l'époque allait, j'allais dire, à l'école de ces aînés-là. Et dans ces personnalités-là, les monsieur Natchaba, les Barry Moussa Barké, les Payadoua Boupessi et bien d'autres, Yenda Yenchabré et bien d'autres sont encore là et forcément essayent d'influencer la vie du pays. De l'autre côté, ces jeunes avec beaucoup de dynamisme, de toute façon, ce qu'on nous a dit lorsque UNIR a été créé, c'est que on voulait introduire une nouvelle façon de gérer le pays. Et d'ailleurs, durant la campagne de 2010, pendant la campagne, et même en 2015, l'un des slogans, c'est assez paradoxal, de UNIR, c'était « Le changement, c'est maintenant » ou « Le changement a commencé, continuons-le ». Ça veut dire que l'idée selon laquelle, à un moment donné, il faut changer est intégrée, y compris par le chef de l'État. Et donc, que ces personnalités-là, qui apparaissent comme des personnalités, j'allais dire de l'ancienne machine, viennent encore au devant de la scène, je me dis à l'intérieur donc du camp présidentiel, comme d'ailleurs dans tout pays, il doit y avoir effectivement des jeux, des batailles entre ce qu'on peut appeler les rénovateurs et les conservateurs. Je ne dis pas forcément que le Premier ministre Klassou ou d'autres sont des conservateurs, mais dans tous les pays, c'est la situation qu'on observe. Donc, ça ne doit pas être facile pour le chef de l'État à gérer. J'ai discuté avec un analyste aussi qui m'a dit que quand vous comparez le Togo et le Gabon d'Ali Bongo, le président Ali Bongo, par exemple, a beaucoup de difficultés avec ceux qui, par le passé, ont été les barons autour du président Omar Bongo. Quand vous prenez les Jean Ping, quand vous prenez les André Mbaoba, en paix à son âme, quand vous prenez Jean Eyene Ndong, c'est autant de personnalités qui ont travaillé avec le président Omar Bongo qui, après, sont devenus opposants au président Ali Bongo. Aujourd'hui, apparemment, au Togo, le chef de l'État, Fornia Simbé, gérerait mieux la situation. Il n'a pas ce problème, là. Il n'a pas ce problème. Donc, est-ce que le fait qu'il soit amené, je n'ai pas dit obligé, il soit amené à désigner donc un Premier ministre qui apparaît comme un conservateur, à avoir à l'Assemblée nationale, un président de l'Assemblée nationale qui apparaît aussi comme un conservateur, quelle est la marge de manœuvre que lui-même il a en tant que personnalité voulant opérer des réformes? Je crois que les 5 années à venir nous donneront l'occasion d'apprécier et même la composition du gouvernement nous aidera à comprendre en réalité quel est le signal qui est lancé aux Togolais. Dans tous les cas de fait, on va évoquer aussi à l'instant la composition du prochain gouvernement. Mais dans le contexte actuel du Togo, est-ce que Kwame Klassou était le meilleur choix selon vous? Ah, vous savez, nous sommes près de 7 millions de Togolais aujourd'hui. Par hypothèse, il y a beaucoup de personnalités qui peuvent occuper ce poste. Et d'ailleurs, quand vous allez dans la diaspora, par le passé, c'était Adoboli est venu, il a fait ce qu'il pouvait. On lui a reproché de ne pas avoir compris effectivement ce qu'on appelle la réelle politique, parce que ce n'était pas un homme politique, c'était plutôt ce qu'on appelle un technocrate. Après, nous avons eu un Gilbert Rumbo qui a eu les mêmes difficultés. Oui, mais à mon avis personnel, Gilbert Rumbo a pu mieux s'en sortir que le premier ministre Adoboli. Mais en tout état de cause, on aurait pu trouver d'autres personnalités. Mais de là à dire que ces personnalités seraient meilleures au Premier ministre Klassou, ce serait peut-être faire un procès d'intention au Premier ministre Klassou qui n'est même pas encore entré, il n'a pas encore toute son équipe
et on ne sait pas le type de management qu'il va imprimer. On dit souvent que dans notre pays, il y a un certain nombre de ministres qui auraient plus d'autorité que le Premier ministre lui-même. Et moi, je pense que tout est une question de personnalité, tout est une question de charisme et tout est une question d'expérience. Donc, il appartient au Premier ministre Klassou au regard des expériences que les premiers ministres passés ont eues. Parce que de toute façon, dans la vie, nous sommes riches non seulement des expériences que nous avons à titre personnel, mais des expériences que d'autres ont et, que nous avons pu, et dont nous avons pu avoir connaissance. Donc, j'espère simplement que le Premier ministre Klassou n'aura pas ce problème, à savoir des super ministres qui voudront rendre compte directement au chef de l'État, mais pourra contrôler ses ministres de sorte qu'au final, en complicité avec le chef de l'État, il puisse imprimer la marque nécessaire au développement du pays. Nous allons, André, enfin nous regarder ce reportage que nous avons réalisé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale avec certains députés qui ont côtoyé comme Selom Klassou puisqu'il était jusqu'à sa nomination premier vice-président de l'Assemblée nationale et voir qu'est-ce que certains députés pensent de lui. Regardez. Après sa nomination le vendredi dernier, plusieurs sont ces Togolais qui se demandent si Selom Klassou est vraiment l'homme qu'il faut pour diriger le gouvernement. Pour ceux qui l'ont vraiment connu, c'est-à-dire ses désormais anciens collègues de l'hémicycle, le fils du Harou, a l'expérience requise pour faire mieux qu'Artem Silegodia au Mezounou. Le premier ministre Klassou, il faut avouer que c'est un homme de terrain, c'est un homme d'expérience. Il est appelé à assumer une fonction plus exaltante, celle de premier ministre. Je pense qu'il a l'étoffe aussi bien de l'expérience ministérielle, de l'expérience d'un élu du peuple, et qu'il peut à ce titre très bien assumer cette fonction de Premier ministre avec beaucoup de réussite. C'est un choix qu'il faut vraiment saluer. Nous sommes convaincus qu'il va répondre aux attentes du peuple. Il ne peut pas avoir été ministre et vice-président de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années sans avoir une certaine expérience politique. Sur ce plan, je pense qu'il a les qualités nécessaires pour le leadership. Mais pour d'autres de ses collègues à l'Assemblée nationale, à l'instar de Jimon Oré du FPD, comme Selom Klassou, n'a aucune mission que d'exécuter les décisions de Faure Sozina Yassimbe, et donc sa nomination est accueillie avec indifférence. Il n'a aucune mission. C'est le chef de l'État qui lui donne des instructions et il agira comme les autres. Donc on n'a rien à foutre avec celui qui est à la primature comme un élément rassembleur ou pas. Ce que nous disons, il s'agit de la volonté politique du chef de l'État par rapport à l'intérêt général. Et si cette volonté politique ne les anime pas, ce n'est pas un premier ministre à la primature de changer quoi que ce soit. Qu'on l'aime ou pas, une chose est évidente. Komi Klassou est l'homme qui va diriger le gouvernement pour les mois à venir. De ce fait, c'est à lui qu'il revient de relever les défis partagés par l'ensemble des Togolais, quel que soit leur bord politique. Nous venons de terminer les élections présidentielles, ça fait à peine moins de 2 mois. Et donc, les défis qui se posent au Togo ont été cités énormément au cours de la campagne électorale. Donc, ces défis sont toujours là. Le problème de la pauvreté au Togo, c'est le problème des réformes au Togo, le problème de la santé, le problème de l'aménagement du territoire, le problème des infrastructures et tous les problèmes socio-économiques, sans compter la grogne sociale qui est là, qui est latente, et on n'a pas encore trouvé de solution. La première des choses, c'est de relever le plan de la ménagère. Parce que vous savez, que ce soit en ville ou dans les villages, il y a un certain nombre de difficultés liées au quotidien. Et ce quotidien, il faut pouvoir voir comment contribuer à relever le niveau de vie de nos populations. Les problèmes d'eau, les problèmes d'infrastructures scolaires, les problèmes d'infrastructures sanitaires. Beaucoup de choses ont été faites. Mais vous savez, les besoins sont tellement immenses dans ce pays, compte tenu du fait de la traversée des déserts que nous avons connus, les besoins sont tellement immenses aujourd'hui que malgré tous les efforts qui ont été faits, il reste encore des choses à faire. Et je pense que le nouveau gouvernement que le M. Klassou va former va s'atteler à travailler dans ce sens-là. Quel que soit celui qui a la primature, les Togolais
ne veulent qu'une seule chose, c'est qu'il se mette au travail pour concrétiser les projets de société de l'ancien candidat de l'UNIR à la présidentielle du 25 avril dernier. Alors, André Afanou, on a suivi le reportage. Nous avons interrogé 3 députés, un de l'UNIR, un de l'ANC et puis un député indépendant. Les deux de l'UNIR et de l'ANC ont semblé dire que Kwame Classo a l'étoffe pour régler le problème actuel. C'est plus surprenant de la part de l'ANC. Mais donc, pour vous, il serait, est-ce qu'il est assez charismatique, hein? Vous l'avez vu à l'Assemblée, dans les débats. Est-ce qu'il a le charisme pour ce travail? Ce serait osé de ma part de répondre à cette question par la négative. Parce que, comme je le disais entre-temps, je n'ai pas eu la chance de côtoyer le premier ministre Classo. Je ne le vois que sur les médias et je ne connais de lui que ce que les médias disent de lui. Il faut dire qu'au sein même du parti au pouvoir, notamment à l'Assemblée nationale, il n'est pas celui qui intervient le plus en tout cas. Mais il faut remarquer qu'en 2005, déjà, il a été le directeur de campagne du président Faure Gnassingbé. Et je pense que n'est pas un directeur de campagne qui veut. C'est un poste stratégique, donc je suppose que le chef de l'État lui a reconnu un certain nombre de compétences et d'aptitudes. C'est pourquoi il a fait de lui en son temps directeur de campagne. Et depuis, il a occupé quand même un certain nombre de postes importants à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, le fait de voir que, naturellement, quand l'honorable Tchao loue un peu les mérites du premier ministre Classo, c'est dans la normalité des choses. Un peu plus surprenant quand, effectivement, ça vient de l'ANC. Mais je crois que l'honorable Debrousse est aussi de ces personnalités-là qui sont, me semble-t-il, posées, qui font des efforts d'objectivité et qui, à ce moment précis, a fait ce qu'il faut faire, à savoir ne pas faire de procès d'intention. La personne du Premier ministre Classo va commencer bientôt officiellement son mandat lorsqu'elle formera son gouvernement et ira devant l'Assemblée nationale. Et ce n'est qu'après qu'on doit voir, avec les actes concrets qui sont posés, est-ce que justement il arrive à se départir d'un certain nombre de pesanteurs qui n'ont pas permis par le passé au Premier ministre à qui il a succédé d'agir et de dérouler leur programme. Oui, mais sûr, est-ce que vous croyez qu'il peut s'en départir? Parce qu'il y a des analystes qui disent que, en un moment, comme il classe la primature, Faure Gnassingbé a voulu mettre là un fidèle parmi les fidèles. Ce n'est pas mauvais en soi. Vous savez, quand vous êtes chef de l'État, surtout dans les pays comme les nôtres qui ne sont pas très stables, vous avez intérêt à avoir, je ne dirais pas comme colistier, parce que ce n'est pas le même niveau, mais à avoir comme à avoir parmi les ministres quelqu'un dont on dit qu'il est Premier ministre, avec qui vous entendez très bien. Que le courant doit passer forcément parce que vous êtes censé obtenir des résultats ensemble. Mais est-ce qu'il s'agit de quelqu'un avec qui on s'entend ou quelqu'un qui ne peut pas s'opposer à vous, a priori? Ah, vous savez, c'est dans la nature de chacun de savoir quelles sont les personnalités dont il veut s'entourer. À titre personnel, moi je suis de ceux qui pensent que quand tout le monde vous dit que vous êtes beau, que vous êtes le meilleur, que vous êtes sans défaut, il faut craindre les personnes qui sont autour de vous. Et quand vous avez la chance dans votre staff, effectivement, d'avoir 2 ou 3 personnes qui critiquent vos points de vue et qui prennent le temps de vous expliquer, effectivement, les critiques de ces points de vue-là, ça doit vous intéresser, ça doit vous faire du bien. Dans ce sens-là, quand on entend le Premier ministre Classo dire dès le lendemain de sa nomination qu'il est là pour appliquer la politique du chef de l'État, dans le fond, ce n'est pas faux. Mais ça peut apparaître comme une déclaration de fidélité au chef de l'État. Certains qui auraient même souhaité que, après 15 ans à la tête du pays, si par la grâce de Dieu, donc on arrive en 2020 et qu'il faille organiser une nouvelle élection, que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, prépare une nouvelle personne. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand vous voyez au sein de UNIR, à part le chef de l'État, on a du mal à distinguer un numéro 2. Au sein du parti, vous voyez le vice-président Aïdam. Il est invisible. Mais qui paraît invisible, manifestement. Et donc, on aurait espéré que le chef de l'État prépare quelqu'un qui devait normalement, à qui il devait donner la main. Quand vous suivez un peu l'histoire de l'Afrique du Sud, le président Mandela était là. À un moment donné, le président Thabo Mbeki était sous la main. Le président Thabo Mbeki sous Mandela avait une certaine expérience. Et pendant que le président Thabo Mbeki travaillait, Jacob Zuma était sous la main.
Et c'est la meilleure façon, à mon avis, d'assurer à nos États une stabilité dans la durée. Parce que généralement, on a l'impression que les chefs d'État africains, ce n'est pas seulement au Togo. Quand vous voyez un peu tout le débat sur la problématique du troisième mandat, vous sentez clairement qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui essaient de nous dire que en réalité, je suis le plus compétent, je suis le plus extraordinaire, ce n'est que moi qui peux réaliser de grandes œuvres. Et si je ne suis pas là, les œuvres ne peuvent pas être continuées. Ça, en termes de leadership, ce n'est pas un bon discours. Le bon leader, me semble-t-il, c'est celui qui, pendant qu'il est là, peut préparer la route et montrer clairement que c'est telle personne qui va devenir son dauphin. Donc, quand on considère qu'en 2005, le premier ministre Klassou était le directeur de campagne du président Faure Gnassingbé, quand on considère que depuis, de façon constante, il a quand même occupé des hautes fonctions. Plusieurs fois ministre. Et moi, j'espère simplement que d'ici 2 ans, clairement, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, annoncera que, comme le président Boni Yayi l'a fait d'ailleurs cette semaine, et quand il l'a fait, forcément, c'est du mérite qu'on lui a attribué. Ça n'a jamais été dénoncé, ni par les gens de son camp, ni par d'autres personnes. Donc, c'est forcément, quand vous posez un acte comme celui-là, et que de vous-même vous annoncez que vous allez faire un certain nombre d'années, et qu'après vous allez partir, et que vous allez préparer une autre personne, c'est beaucoup de mérite que ça vous confère. L'inverse donne l'impression que vous vous dites, après moi c'est le déluge, et que je veux rester à la présidence à vie. Ça, normalement, en 2015, ce n'est plus accepté ni en Afrique, ni dans d'autres pays. Donc j'espère simplement que pour assurer une stabilité à notre pays, pour garantir un peu une force aux institutions, le chef de l'État, au fur et à mesure, renforcera l'action du Premier ministre et que le Premier ministre lui-même arrivera à s'affirmer, non pas comme quelqu'un, excusez-moi le terme, qui soit un béni oui-oui au chef de l'État, mais quelqu'un qui sera un partenaire du chef de l'État, qui pourra faire au chef de l'État des propositions alternatives. Je connais un ministre qui a l'habitude de dire, et je partage cet avis-là, que dans un pays comme le nôtre, où il semble qu'il n'y a pas d'alternance, ce qu'il faut, c'est des alternatives. C'est-à-dire que de toute façon, c'est inimaginable de penser qu'au sein de UNIR, tout le monde pense de la même façon. À plus forte raison, dans le pays, quand on prend la classe politique, c'est inimaginable de penser que nous regardions tous dans la même direction. Donc forcément, il faut développer des alternatives. Voilà la façon dont je vois le problème. Et vous, comment est-ce que vous voyez ça? Et surtout, donner la liberté aux gens de vous proposer des points de vue qui ne soient pas les vôtres. Des fois, quand vous discutez avec certains membres du gouvernement, vous avez l'impression que les gens ont des opinions, et même des gens des institutions de la République, vous avez l'impression que des gens ont des opinions qui ne sont pas forcément les opinions du chef de l'État, mais qui n'arrivent pas à affirmer leurs différences, ce qui n'est pas bon pour notre démocratie. Alors, on est là à parler du Premier ministre, on va évoquer tout à l'heure ce qu'il va faire, mais est-ce que dans le contexte togolais, dans lequel on est rentré après 2002, le poste de Premier ministre a encore une grande importance? Le constituant de 1992 avait institué un poste de Premier ministre où les prérogatives étaient assez importantes. Le Premier ministre, par exemple, avait la possibilité, lui, d'identifier les membres du gouvernement et de proposer cette composition que le chef de l'État devait valider ou, à défaut, faire 2 ou 3 observations pour qu'au final, ce soit une équipe qui inspire confiance au Premier ministre lui-même. Sur ce point, déjà, par exemple, le Premier ministre actuel, avec la révision intervenue entre-temps, n'a pas la possibilité lui-même de choisir les hommes qu'il veut. De sorte qu'au final, on a cette anomalie-là qui voudrait que certains ministres, parce qu'ils se sentent investis de la confiance du chef de l'État, se disent qu'ils sont plus importants que le Premier ministre. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Mais en tout état de cause, et sans trop développer donc, les aspects qui affaiblissent le Premier ministre aujourd'hui par rapport aux révisions constitutionnelles, moi je pense que tout est une question de personnalité. C'est-à-dire que, comme disait quelqu'un, le jour où vous venez au poste de Premier ministre, vous devez vous attendre à ne plus être à ce poste un jour. C'est quelqu'un qui vous a nommé, la personne peut vous révoquer un jour. Et donc, dès les premières heures de votre nomination, vous devez pouvoir dire à la personne qui vous a nommé, voilà les ambitions que j'ai en application au programme de société que tu m'as donné, au cahier de charges que tu me donnes, aux ambitions que tu as annoncées aux Togolais, voilà la contribution que j'estime pouvoir apporter pour que ton action puisse réussir. Si vous n'arrivez pas dès le départ à affirmer cette différence, à affirmer cette possibilité que vous avez de conduire les choses de votre façon, mais si vous donnez l'impression d'aller plutôt vers le chef de l'État
pour recevoir des instructions et pour recevoir aussi des consignes sur la méthode à utiliser, eh bien, vous affaiblissez dès le départ. Moi, je pense par exemple qu'au-delà du poste du Premier ministre, même un certain nombre de ministres qui, au sein de la société civile ou au sein des partis politiques d'opposition, parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent aller apporter quelque chose, quand ils y vont, moi, je pense que c'est dès la nomination que vous devez affirmer votre différence. Et vous devez être prêt normalement à quitter le gouvernement si la façon dont les choses sont gérées ne vous convient pas. Mais quand vous avez écouté ses premiers mots, les premiers mots de Kwame Klassou, il dit « je vais appliquer ce que le chef de l'État... » Lui, il fait toujours référence au chef de l'État. Est-ce que vous avez là un homme qui est capable de montrer ce qu'il sait faire de lui-même sans qu'on lui donne les ordres? Encore une fois, je ne peux pas répondre par la négative. Parce que quelqu'un qui vous a nommé, forcément, c'est parce qu'il a une ambition particulière, je parle du chef de l'État, il a un plan particulier, et forcément, il devait trouver la personne qui devait l'aider, lui, à faire son travail. Bon, que le Premier ministre Klassou ait jugé utile dès le départ d'annoncer la couleur ainsi, ce n'est pas encore très grave à mon avis. Par contre, c'est vraiment à l'œuvre qu'on verra est-ce qu'il arrive à se départir du simple souci de... Parce que de toute façon, c'est, je crois, en France, si je ne me trompe pas, le président Dumas, Roland Dumas du Conseil constitutionnel, qui disait qu'il avait à l'égard du président François Mitterrand un devoir d'ingratitude quand il a été nommé au Conseil constitutionnel, en lui disant simplement: Monsieur le Président, vous m'avez nommé au Conseil constitutionnel, mais les prérogatives dont je dispose à partir de ce moment m'amènent à vous dire que je ne suis plus obligé d'avoir de la déférence à votre égard. Je rentrerai dans mes fonctions. Et si vous faites bien, naturellement, je dirais que ce que vous avez fait est bon. Mais si par hasard, vous allez au-delà de la Constitution et que vous posez un acte qui n'est pas conforme à ce que la Constitution vous demande de faire, je dois pouvoir le dire. Donc, c'est vraiment ce devoir d'ingratitude, mais qui, en même temps, n'est pas de la déloyauté. Ça veut dire que, comme je disais, les jours, les semaines et les mois à venir nous permettront de voir quelle est la marge de manœuvre que le Premier ministre Klassou se donne. Et moi, je pense qu'il y a une partie qui dépend du chef de l'État. Quand dans une administration, quand dans un service, quand dans une institution, vous nommez les gens et que dans la façon de manager l'équipe, vous donnez l'impression que tout le monde doit vous faire allégeance, que vous ne tolérez pas des points de vue divergents, alors les gens, forcément, vont rentrer dans les rangs. Mais quand, entre-temps, un point de vue divergent est affirmé et que vous louangez la façon dont le point de vue divergent a été exprimé et que vous reconnaissez même qu'en tant que chef de l'État, vous n'êtes pas parfait et que cet aspect-là, vous ne l'aviez pas vu, vous valorisez la personne qui vous a fait une contribution différente de ce que vous vouliez. Et ça va encourager toutes les autres personnes qui s'auto-censuraient à se dire « Mais au sein de cette équipe-là, je peux parler, je peux apporter quelque chose. » Quand vous analysez de 2005 à 2015, il y a eu au sein des gouvernements togolais successifs des ministres à qui on ne pouvait pas prêter des intentions dès le départ de ne pas avoir de bonne façon de penser et de manager. Mais quand ils sont rentrés, on a eu l'impression qu'ils sont devenus à faune par rapport à un certain nombre d'anomalies qui étaient observées. On a eu l'impression qu'ils sont devenus tout à fait amorphes par rapport à la marge de manœuvre dont on pouvait les créditer. Et donc moi, je pense qu'au final, c'est d'abord au chef de l'État de créer le cadre pour que le Premier ministre puisse déployer ce dont il est capable. Si au final, tous les premiers ministres qui se succèdent devaient simplement faire allégeance au chef de l'État et montrer qu'ils sont des bénis, ça n'aurait plus d'importance, le fait d'avoir un premier ministre. J'ose croire que personne n'a intérêt. Maintenant, pour revenir à quelque chose que vous disiez, je pense que le chef de l'État, par rapport aux responsabilités qui sont les siennes, ne peut pas coordonner véritablement l'action gouvernementale lui seul. Donc, qu'il y ait quelqu'un dont on dit qu'il est le Premier ministre, qui justement, dans ce qu'on appelle le conseil de cabinet, de temps en temps, recevra les ministres, étudiera les dossiers, fera le point avec eux, donnera des instructions et rendra compte au chef de l'État pour recevoir de lui des instructions. Cela ne peut qu'aider notre République à mieux fonctionner. Alors, pour parvenir à mettre en
neuf le programme d'action du président de la République. Il lui faut former un gouvernement. Alors là, nous avons un président de la République qui est de unir, un premier ministre qui est de unir. Est-ce que pour vous, il est souhaitable qu'on ait un gouvernement plus ouvert à l'opposition? Vous savez, la situation de notre pays est difficile. L'idéal au Togo aujourd'hui, pour les 5 ans à venir, par rapport aux défis que nous avons en matière de consolidation de la gouvernance, par rapport aux défis que nous avons en matière de déploiement des plans de développement, à la lutte contre la pauvreté, à la poursuite des projets de développement des infrastructures, l'idéal, c'est qu'il y ait un consensus républicain. Et pour que ce consensus républicain soit obtenu, forcément, il faut trouver le cadre pour que l'on soit de unis, que l'on soit de obus, que l'on soit du CAP 2015, du cas que pendant un certain nombre d'années, que les réformes, par exemple, soient opérées de façon consensuelle. Et pour ça, il aurait fallu avoir un gouvernement ouvert à l'opposition. Mais la base de ce travail aurait dû être une négociation réelle. Parce que quand des opposants rentrent au gouvernement, simplement en donnant l'impression qu'ils ont été cooptés, déjà à la base, ils partent avec la faiblesse selon laquelle certains vont dire qu'ils ont été achetés, qu'ils sont allés à la mangeoire. Et ça les affaiblit, forcément. Moi, j'ai entendu, par exemple, certains observateurs dire que, proche de Unir, hein, s'il vous plaît, dire que si l'accord RPT-UFC n'a pas marché, ce n'est pas faute de volonté ni de la part de Unir, ni de la part de l'UFC. Ce serait parce que, lorsque l'accord a été signé, rapidement, l'accord a été dénoncé dans les camps de l'UFC. Du coup, les gens du RPT à l'époque se sont dit, non, nous voulions toute la machine UFC avec nous. Et puisque ceux que nous avons maintenant, c'est des gens affaiblis, quel que soit là où nous irons avec eux, la base de l'UFC qu'on aurait aimé avoir pour que le consensus républicain soit obtenu, cette base n'est pas réelle. Donc, ça affaiblit tout le monde. Donc, il me semble que l'idéal, c'est qu'on ait l'opposition associée au gouvernement. Mais puisque la négociation préalable n'est pas faite, moi, je pense qu'il vaut mieux que l'opposition reste dans son rôle d'opposition à cette étape, hein, et que vous savez qu'elle n'aille pas au gouvernement. Oui, puisque si elle y va, je précise, sans qu'il n'y ait une négociation préalable des conditions de désignation du premier ministre, des membres du gouvernement, pardon, vous savez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, lorsque l'accord a été signé entre le président Gbagbo et la rébellion d'alors dirigée par le premier ministre Guillaume Soro, mais l'accord qui a été signé prévoyait le nombre de postes que l'opposition aurait eu. Quels sont ces postes-là aussi? Et donc, forcément, quand vous allez au gouvernement, vous n'êtes pas fragilisé. Deuxième exemple que je voudrais donner, c'est le Burundi, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Les accords d'Arusha de 2004, si vous lisez ces accords-là, disent clairement, entre Tutsi et Hutu, quelle devait être la répartition des postes ministériels en termes de postes de souveraineté. Et quels sont les postes qui devaient être occupés par les Hutus? Quels sont les postes qui devaient être occupés par les Tutsis? Et même quand on prend les institutions, comment assurer une représentation de tout le monde dans ces institutions-là? Donc pour revenir au Togo, ce travail n'a pas été fait. Il y a d'ailleurs un certain nombre de partis politiques, OBU, le NET de Jerry Tama, la CPP du président Francis Sekong et d'autres, qui ont annoncé que de toute façon, eux, ils ne veulent pas faire la chaise, c'est surtout le président Francis Sekong qui l'a dit, qui ne sont pas du genre à faire la politique de la chaise vide. Bon, pour un homme politique, je pense que il y a forcément des cas normalement dans la vie où ce qu'on vous propose ne convient pas à vos principes et vous n'y allez pas. Si vous ne faites pas la politique de la chaise vide et que vous acceptez tout aussi, on donne l'impression de ne pas avoir de personnalité. Mais est-ce que dans le contexte togolais, est-ce que Fornia Singbe est obligé de conjuguer avec l'opposition? Il a gagné l'élection présidentielle, il est majoritaire au Parlement. En fait, c'est à lui d'avoir tous les leviers pour diriger le pays. Non, vous savez, quand vous analysez le scrutin de 2005, vous analysez celui de 2010 et celui de 2015, le grand problème par rapport à tous ces scrutins où le président Fornia Singbe a été déclaré élu, c'est que le processus de proclamation des résultats n'a pas été consensuel. Moi, j'ai même l'impression, c'est mon indépendant d'acteur de la société civile qui me permet de penser ainsi, que certains voyaient que le chef d'État Fornia Singbe, parce que le jeu avait été pipé d'avance, puisqu'il n'y a pas eu les réformes,
Vous savez, quand vous acceptez de jouer un match contre le Barça, alors que vous êtes à Gaza, quand vous acceptez que ce match soit joué à Barcelone, quand vous acceptez qu'on vous transporte avec une compagnie qui fait 5 escales et que vous arrivez dans le pays le matin et c'est le soir que vous jouez et que tout le public est acquis au Barça, l'arbitre acquis au Barça, arbitre espagnol, quand vous acceptez de jouer ce jeu-là, vous devez savoir que vous allez être battu. Donc pour moi, les conditions dans lesquelles l'élection a été faite sans les réformes, avec une bonne partie des partisans de l'opposition qui ne sont pas allés s'inscrire sur les listes électorales. Et même ceux qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales ne sont pas allés voter. Il y a une bonne partie qui ne sont pas allés voter. Dans ces conditions-là, il semblait normal que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, soit déclaré vainqueur. De toute façon, les institutions lui sont favorables. Mais l'anomalie qu'il y a eu à la CENI, où le résultat a été proclamé dans des conditions que je pense être abracadabrantesque, je me dis, c'est peut-être quelqu'un proche du chef de l'État lui-même qui ne voulait pas qu'il ait une victoire nette. C'est-à-dire que je ne vois pas l'opposition fabriquer ça là. Donc c'est pour vous dire que même s'il a été déclaré élu en 2005, s'il a été déclaré élu en 2010 et en 2015, le chef de l'État en son âme et conscience et ses partisans devront reconnaître que la crise de confiance persiste toujours entre les Togolais. Que les gens n'ont pas la conviction qu'il est élu. De toute façon, avant ce processus électoral, une enquête d'Afrobaromètre avait révélé que les Togolais ne font pas confiance en la CENI pour organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Aux institutions en général. C'est ça. Et la même enquête d'Afrobaromètre avait dit que les Togolais estiment que les élections actuellement telles que c'est organisé ne permettent pas de sanctionner les dirigeants. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et de toute façon, dernier argument que je voudrais verser dans le débat, la commission Vérité et Réconciliation, après avoir analysé la vie politique de notre pays, a conclu qu'il fallait créer les conditions à travers les réformes pour que l'alternance soit possible. A contrario, si les réformes ne sont pas faites, ça veut dire que les conditions ne sont pas créées pour que l'alternance soit possible. Donc on peut estimer que les résultats, les élections ont été faites et qu'il fallait que Faure Gnassingbé gagne ou gagne. Maintenant, pour revenir à votre suggestion ou à votre remarque, je pense que ma prière pour le Togo, c'est que durant les premiers jours, Ahoumé Zounou avait annoncé qu'il créerait un cadre pour faire les réformes, ce n'est pas fait. Que durant les premiers jours, dès l'Assemblée nationale, le Premier ministre annonce un timing, s'il vous plaît, clair. Un timing facile à suivre pour nous autres de la société civile, pour vous des médias, qu'on puisse nous dire dans les 6 mois qui vont venir, nous allons opérer les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Dans les 6 mois qui vont venir, nous allons établir un calendrier pour les élections locales. Dans les 6 mois qui vont venir, nous ferons si nous faisons ça. Et ça créera la confiance au niveau de l'ensemble des Togolais. Même si l'opposition ne participe donc pas au gouvernement, l'opposition participerait alors à la vie du pays. Et l'une des suggestions que nous avons fait ces temps-ci, c'est que puisqu'il paraît difficile que l'opposition accède au pouvoir à travers des élections, qu'on puisse consolider l'institution, l'opposition, en mettant des moyens de l'État à leur disposition aussi. Dans un pays comme la Grande-Bretagne, c'est possible. En Grande-Bretagne, on reconnaît que l'opposition est aussi utile au pays. Aujourd'hui, quand une institution où il y a des représentants de l'opposition, on met des ressources de l'État à la disposition de l'opposant, on a comme l'impression que c'est une faveur qu'on fait à l'opposant. Ce n'est pas une faveur, c'est la chose commune. Donc il me semble qu'il faut créer des cadres pour que, un, l'opposition aussi ait des ressources de l'État pour construire des alternatives crédibles aux politiques proposées par le gouvernement. Autrement, comme je le disais sur un média la dernière fois, c'est comme si on est en train de nous dire que tout le monde doit venir rentrer dans UNI. Normalement, depuis la fin du parti unique, ce n'est plus... chacun ne regarde pas dans la même direction. La conscience togolaise nous donne le droit de regarder dans des directions différentes. Donc, tout le monde ne peut pas rentrer dans UNI si on veut participer à la gestion des ressources de l'État, si on veut bénéficier des opportunités de l'État. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes semblent être obligés de rentrer dans UNI pour gagner leur vie. Beaucoup de jeunes semblent être obligés d'aller faire allégeance aux responsables d'UNI avant, dans la presse, dans le secteur privé, avant d'avoir accès à des marchés. Ce n'est pas normal.
Donc je pense que l'une des propositions que nous pouvons faire, c'est que des discussions soient faites pour consacrer, comme ça a été commencé, le statut de l'opposition. Et qu'on dote l'opposition de moyens pour qu'elle puisse jouer son rôle d'équilibre face à ce que le chef de l'État va faire. Vous évoquez à l'instant les questions de réforme. On va en parler avec rapidement le bilan de Ahomé Zulu. Je vais vous inviter encore à suivre ce reportage-là sur le bilan qu'on peut faire du Premier ministre, désormais ex-Premier ministre Artem Ahomé Zulu. Nommé le 19 juillet 2012, puis reconduit le 17 septembre 2013, Artem Ahomé Zulu aura passé 2 ans et 8 mois à la primature. À l'occasion de cette passation de service qui marque la fin de sa mission, le fils de Pélé Tchavier dresse le bilan de son passage à la tête de 2 gouvernements successifs. Ahomé Zulu estime aujourd'hui être allé au-delà de la feuille de route que lui a confiée le président de la République. Je ne me suis pas rendu compte de l'exécution de la feuille de route qui m'avait été transmise. Mais je l'ai regardé un peu la dernière fois parce que j'ai entendu dire que le président n'a rien fait. J'ai dit, regardons un peu la feuille de route. Et je me suis rendu compte que nous sommes allés au-delà de la feuille de route. Je voudrais remercier les Togolais qui nous ont accompagnés pour faire ça. Nous sommes allés complètement au-delà de la feuille de route en réalisant tous les points qui sont évoqués. Bien ou mal, c'est aux observateurs de juger. Mais nous avons été totalement au-delà de ces points qui étaient dans la feuille de route. Et nous avons même réalisé d'autres choses qui ne s'étaient pas demandées à notre arrivée. S'il s'estime aujourd'hui satisfait de son propre bilan, Ahomé Zulu n'oublie pas les difficultés qui ont émaillé ces 32 mois de gestion, allusion faite à la gestion des fonds de l'accompagnement au civisme mis en place par son prédécesseur, mais supprimé sous son administration. L'affaire lui a valu les foudres de la presse. Aujourd'hui, le désormais ancien Premier ministre s'explique. Parce que fin juillet, les fonds devaient être payés et comme il faisait le point, il restait 89 000 francs dans le compte. C'est à ce moment que je cherchais à savoir d'où venaient ces fonds, que c'était sur le fonds du comité pétrolier, que sur les fonds sociaux, faisait prélever un certain nombre de fonds pour réaliser cette pression. Et ce compte s'appelait initiative du Premier ministre. Je posais la question de savoir comment nous faisons. On me dit, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, vous avez supprimé la source. Je dis, ah bon, comment j'ai pu faire? Il dit, oui, quand après juin et juillet 2011, nous avons fait 2 augmentations de suite des produits pétroliers. En discussion avec le chef de l'État, avec tous ceux qui étaient concernés, nous avons cherché à voir, à minimiser les prélèvements que l'État faisait. Le comité pétrolier a proposé aussi ces fonds sociaux sans que je n'ai les détails. Et donc ces fonds étaient supprimés pendant que vous étiez au ministère du Commerce et donc ils n'arrivaient plus. J'ai fait payer pendant 3 mois sur mes propres fonds politiques. Cela pour les journalistes, mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas continuer. Comme le pays était bloqué, il y avait des difficultés, il fallait organiser l'élection, j'ai dit que ce n'était pas le plus urgent à réaliser. Je me devais peut-être de vous recevoir et d'en parler avec vous. Je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Sur l'affaire de la gestion des fonds de la participation des éperviers du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations 2013, le Premier ministre, longtemps pointé du doigt, s'est aussi justifié. Il faut simplement retenir que l'avenir révélera la vérité dans cette affaire. Je ne savais pas du tout que c'était un problème dont les gens faisaient tous les jours des choux gras. J'ai compris ça un peu tard. Mais vous découvrirez que le Premier ministre que je suis, d'abord par nature, par éducation, par culture et par inclinaison, n'a même pas vu un franc passer. Mais qu'il a tout fait pour que des gens gèrent avec le plus grand respect du bien public ces fonds. Vous le découvrirez. Ahomé Zulu quitte la primature, mais laisse les Togolais sur leur soif. Surtout en ce qui concerne cette dernière affaire. L'on ne sait par exemple pas si le rapport de la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 est déjà disponible et si oui, quand sera-t-il publié? L'audit qui a été commandité a-t-il été réalisé? Qui sont les personnes mises en cause? Sur tout cela, c'est Silence Radio. Voilà André Afanou, on voit un Premier ministre très content. À la fin, il dit que la feuille de route qui lui a été confiée par le chef de l'État, il est allé au-delà. Il a dit 3 fois. Est-ce que vous avez cette impression-là? Non, je voudrais d'abord faire remarquer que la bonne nouvelle, c'est que dans notre pays, des premiers ministres viennent et d'autres partent. Sans que cela ne crée de déluge. Ça veut dire que c'est dans l'ordre normal des choses que lorsqu'à un moment donné, on vous donne des responsabilités, qu'une nouvelle personne vienne et qu'une nouvelle personne fasse ce qu'elle peut faire aussi.
J'espère simplement que cette scène à laquelle on vient d'assister, on aura la chance d'y assister en ce qui concerne les élections présidentielles. C'est important qu'à l'instar du Bénin, où aujourd'hui il y a des anciens chefs d'État qui vivent le plus normalement possible au Bénin, qui contribuent au développement de la vie politique au Bénin et au développement du pays, c'est normal que dans un pays comme le Ghana, qui est à côté, où effectivement il y a au minimum 3 chefs d'État encore en vie actuellement, qui donnent de temps en temps leur point de vue sur la gestion du pays, j'espère que vraiment au Togo aussi, à l'instar des premiers ministres qui sont anciens, on aura un ancien chef d'État un jour. Cette précision ayant été faite, je pense que c'est aussi l'une des premières fois que une personnalité se donne un satisfecit aussi clair. Le premier ministre Ahmed Zounou, vous avez bien fait de le préciser, a surpris plus d'un lorsque nous avons suivi ces propos-là au journal télévisé sur vos chaînes, où il dit que non seulement la feuille de route qui lui a été donnée, il l'a remplie, mais il est allé au-delà. Je pense que généralement les hommes politiques ne disent pas toujours ce qu'ils pensent vraiment. Je n'ose pas croire que le premier ministre Ahomé a dit quelque chose qu'il ne pensait pas. Et donc, hypothèse, il pensait ce qu'il disait. Dans ce cas, il a certainement oublié que lorsqu'il était face à l'Assemblée nationale, pour demander la confiance de l'Assemblée nationale, il avait solennellement dit, j'ai encore le discours, qu'il ferait les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Pour son information, à ce jour, nous sommes en juin 2015, ces réformes ne sont pas faites. Donc c'est à lui de savoir si cela rentre dans une feuille de route qui est accomplie ou pas. Sous le premier ministre Ahmed Zounou, si vous permettez, le chef de l'État a annoncé les états généraux de l'éducation et de la santé. Quand le chef de l'État fait une annonce comme celle-là, il appartient au premier ministre, justement parce que c'est lui qui coordonne sur le terrain l'action du chef de l'État, de mettre cela en œuvre. Jusqu'à ce que je ne vienne dans votre studio, il me semble que ces états généraux n'étaient pas faits. Troisième et dernier exemple, puisque nous n'avons pas forcément le temps, je pense que l'une des tâches indélébiles que le premier ministre Ahmed Zounou, malheureusement pour lui, aura quand on parlera du premier ministre Ahmed Zounou et de son bilan, c'est que tout le monde retiendra qu'il nous a promis solennellement de nous faire les comptes de la CAN 2013, qu'il l'a répété à plusieurs occasions et que d'ailleurs ces fonds ont été prélevés dans des conditions anormales. Si on était dans un état véritablement démocratique, les citoyens auraient le droit de saisir les tribunaux pour justement que l'État réponde des conditions dans lesquelles ces prélèvements ont été faits. Ensuite, la gestion calamiteuse de la participation des éperviers ou du retour des éperviers au pays lorsqu'ils ont été éliminés. Donc que le Premier ministre ne fasse pas ces comptes-là et qu'il se dessine ce satisfecit-là, je pense que cela ressemblerait à de l'oubli de sa part dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, je pense que c'est à lui-même de savoir un peu quel message il voulait donner. S'il insiste ainsi sur le fait qu'il est allé au-delà. Sur la question des réformes que vous avez évoquées, on sait que c'est la question de la limitation du mandat du mode de scrutin qui a préoccupé énormément de personnes. On a vu ce qui s'est passé aussi à la rencontre d'Accra, où il semble, on n'en a pas énormément, vraiment la preuve, que ce soit le Togo et la Gambie qui aient dit non. Non, il ne semble pas, cher ami. C'est confirmé que, vous savez, je vous permettrez que je fasse un peu d'histoire. Rapidement. Vers la fin des années 90, il y avait les crises de Sierra Leone et du Libéria, il y avait la guerre. Et donc la CEDEAO, dans la perspective de la gestion des conflits, a choisi un protocole sur la prévention des conflits qui a été adopté par l'ensemble des chefs d'État. Après, ils se sont rendus compte qu'au-delà de ces conflits, c'est des problèmes de gouvernance qui causait effectivement le fait qu'un certain nombre de citoyens prennent les armes. Et donc, ils ont adopté le fameux protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. C'est au nom de ce protocole-là qu'on nous a dit dans ce pays que la CEDEAO nous dit de ne pas faire les réformes 6 mois avant les élections, de ne pas modifier la constitution 6 mois avant les élections. Donc, quand vous suivez un peu, que c'est justement parce que la CEDEAO veut prévenir les conflits qu'elle adopte des textes, c'était normal. Quand on voit ce qui se passe au Burundi, ce qui s'est passé au Burkina et dans d'autres pays,
C'était normal d'envisager d'adopter un texte qui limite les mandats présidentiels. Et toute la surprise a été de constater que le Togo du président Faure-Sow Seminar Nyasimbe et la Gambie de Yahya Jammeh, qui n'est pas un bon compagnon pour nous. Vous savez, pour l'image internationale du Togo, ce n'est pas bon qu'on nous assimile à la Gambie de Yahya Jammeh, qui, en termes de démocratie, n'est pas du tout un bon exemple. Donc, je me demande comment est-ce que le chef de l'État et les membres du gouvernement ont pu prendre une telle responsabilité devant l'histoire. Mais est-ce que l'argument avancé était quand même solide de dire que nos tests ne sont pas encore mis à jour pour accepter ce protocole additionnel? Non, ce n'est pas un argument solide, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation de juriste privatiste, certes, mais dès la première année, on nous donne le béaba du droit constitutionnel et du droit international. Et en droit international, un chef d'État a la possibilité d'aller négocier des traités au niveau international. Et s'il advient que ce traité n'est pas conforme aux textes nationaux, tout ce qu'il fait en revenant au pays, justement, c'est de s'adresser à l'Assemblée nationale pour que celle-ci, justement, adapte les textes nationaux à la Convention internationale. Et de toute façon, les préoccupations des Togolais sur ce point sont connues. Je disais, en tant qu'Afro-Barobette a révélé que plus de 80% des Togolais souhaitent que les réformes soient faites. Donc, quand on nous dise après que c'est parce qu'on ne voulait pas offusquer les Togolais, ce n'est pas toute la vérité. Surtout que dans beaucoup d'autres domaines, mais je peux citer une centaine de traités, une centaine de textes d'engagement que le Togo est parti prendre à l'international sans qu'on ne soit obligé de venir nous consulter. Donc, sur cette question-là, c'est plutôt inquiétant. Et moi, j'espère simplement que l'image que le Togo a donné à cette occasion, l'image que le chef de l'État a donnée sera rapidement corrigée par un engagement clair à limiter les mandats présidentiels, parce que la non-limitation de mandats cause beaucoup de dégâts dans les pays africains à ce jour. André Afan, toute dernière question. Dans un mois, dans trois mois, dans six mois, qu'est-ce que vous voyez comme éclat souffert? Dans six mois principalement, moi je vois le premier ministre Klassou, en termes de résultats obtenus, créer un cadre où des discussions sont menées entre toutes les parties prenantes à la crise togolaise, entre toutes les parties politiques. Je le vois adopter un nouveau texte défendu ardemment à l'Assemblée nationale pour que notre constitution soit modifiée. Je le vois proposer une recomposition des institutions importantes qui régissent la gouvernance dans notre pays, la Cour constitutionnelle. Toute la Cour constitutionnelle est contrôlée par le parti au pouvoir. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication, l'ensemble, la quasi-totalité des membres de la HAC sont des obligés du pouvoir en place. La Cour des comptes, l'appareil judiciaire lui-même. Donc ça, c'est un peu pour ce qui concerne la gouvernance. Je le vois adopter un statut de l'opposition qui fait de Jean-Pierre Fabre quelqu'un avec d'autres leaders peut-être qui ont les ressources de l'État pour faire le travail qu'ils ont à faire. Je le vois reconnaître l'importance de l'opposition dans le pays. Je le vois surtout engager un dialogue social avec la STT, pas avec l'ensemble des syndicats, parce que c'est la STT qui, derrière, dans la dernière période, a exprimé des revendications. Je le vois engager ce dialogue-là. Je le vois organiser enfin les états généraux de l'éducation et de la santé, deux secteurs très importants dans lesquels il y a eu des crises. Je le vois enfin continuer tout ce que le chef de l'État a annoncé et tout ce que le chef de l'État a fait pendant les dernières périodes de son mandat, qui vient d'être renouvelé, à savoir continuer le provenat pour les jeunes, aide pour les jeunes, continuer les infrastructures. Je le vois aussi continuer par redorer le blason du pays, du Togo, j'allais dire, à l'international. André Kanyi Afanou, merci d'être passé dans cette première partie d'émission. Non, c'est moi qui vous dis merci et je continue de souhaiter bonne chance à votre émission. Je vous félicite surtout, effectivement, pour le dynamisme avec lequel vous animez aussi l'émission. Merci beaucoup. Nous suivons donc de très près cette actualité. On va suivre la nomination du prochain gouvernement. Je rappelle qu'au moment où nous enregistrons cette émission, le gouvernement n'a pas encore été formé. André Afanou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Tout de suite derrière cette première partie, je retrouve d'autres acteurs pour parler de la conférence internationale sur le climat de Paris en décembre prochain.